C'est sous des trombes d'eau que nous avons débuté notre week-end de partage et de rencontres organisées par la team Passion Fruits et Mer. Cependant, cela ne nous a pas empêché de retoucher rapidement des truites sur cette rivière-là. On est tenté, donc on a du mal à voir où c'est qu'on met les pieds et c'est parfois risqué. Puis on vient de prendre un déluge sur la tête. Action dans la canne. Elle est où? Elle est là, elle arrive. Elle est partie. Quid fera même la plus belle truite de la journée, atteignant allègrement les 30 centimes. Il est temps d'accueillir tous les participants à ce séjour. Certains ont eu quelques petits soucis sur la route et arriveront tard, ce qui expliquera leur tardive du repas. Mais qu'importe. Le principal est de partager notre passion, donc le temps d'un apéritif assez long, les conversations de pêche se multiplient. Voici la truite. C'est aussi ça le partage. Geoffroy dit à notre ami Couette qui vient de toucher une truite sur sa droite. Couette essaye. Wow! Ah, mais vous en avez tous en même temps ou quoi? Double. Allez Couette, épuisette. Une. Hop là. Vas-y, monte-la un peu. Et voilà. Elle m'a fait une tarte, c'était plus beau. Elle est belle, hein. Ouais. Elle m'a fait une sortie musicale. Point de partage, Geoffroy et José n'ont pas hésité à partager le même épisode. J'adore cette image, où les deux truites sont remises à l'eau en même temps. C'est parce que c'est la rivière qui commence ça. Thierry en action, qui découvre la pêche autant qu'aujourd'hui. T'as accroché. Voilà. Ah ouais.
Il faut qu'on mette les... Premier release de Thierry. Et tiens ma belle. Incroyable qu'il n'y en ait pas une là. Pour nos deux débutants, Thierry est devenu novice et première dans la pêche au toc. La matinée va être belle. Oh là là ! Pour Thierry 4 et, jolie, et Denis 3. Pour un début, il y en a qui ont connu vraiment pire. Ce qui fera dire à notre ami Thierry que le toc c'est... C'est le toc le toc. C'est le toc le toc. Plus difficile en revanche pour Manu, du fait qu'il a débuté la pêche à la truite à la Tankara, car sa canne à toc fut malheureusement oubliée dans une voiture. À 100%, vachement sympathique. Il n'y a plus mauvais temps. Le temps n'est pas terrible, malheureusement, mais bon. L'équipe est super sympa. Mais voilà, super sympa. J'ai rencontré le collègue aussi du 42, là, qui que je connaissais depuis quelques temps, mais voilà, pareil. Hein. On se connaissait par l'intermédiaire donc de Facebook et tout ça. Et là, ça fait l'occasion de se voir, donc c'est super sympa. C'est le toc le top. Le top le c'est le toc. Je sais plus comment on dit, tu vois. Le top le top. Voilà. Le toc c'est le top. On a fait de la truite, on est content. Voilà, pour une première sortie en plus. Beau paysage, c'est vraiment joli ici. Alors, on a fait des bonnes rencontres. Accueillir tous les gens qui veulent bien venir, qui veulent bien y mettre de la bonne volonté et qui. Voilà, vous avez bien appris à pêcher aussi. Voilà, en ça, plus. Par contre, ça c'est vrai. Ce matin on a eu chacun un professeur. Un bon professeur, chacun en a eu. On a première sortie, on a fait des truites dès ce matin. Donc franchement, c'est bien. On dit un peu de mou là. Lève ta canne. Laisse-la travailler comme ça. Belle truite. Super belle truite. Ah, tu la sens là, se battre. Lève ta canne. Lève ta canne. Amène-moi là dans l'épizette là. Amène-la, Denis. Super, mon gars. Comme on se voit pas souvent, déjà, c'est le métier qu'on a déjà entre nous. Même si on se voit pas souvent, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est, ça renforce encore, ça renforce encore un peu plus. Ouais. Puis on l'a guidé l'année prochaine. Non mais Tim, c'est une guerre équipe, on voit bien que c'est une bonne équipe. Une bonne équipe, voilà. Il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui rabaisse personne. Voilà, c'est l'entente qu'on a, on rigole. Voilà, c'est... Chacun donne ce qu'il combine. Voilà. Il n'y a pas de critique. Voilà, il n'y a pas de temps. Je suis très content d'être là, oui. Après, oui, c'est... Voilà, l'entente, elle est parfaite. Je veux dire, on est... On arrive à s'unir, à se réunir sans se prendre la tête exactement. Et ça c'est important, ouais. Ça permet de décrocher de la vie de tous les jours. Et puis voilà quoi, il n'y a pas. Ah puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a personne qui critique personne sur sa façon de pêcher. Chacun a sa propre façon de pêcher. Puis ça, c'est bien. Tout le monde fait moi j'en apprends par toi, j'en apprends par lui. Même qu'ils soient débutants, on apprend aussi. Denis est fort. Moi, ce que je retiendrai, c'est surtout le partage de la team. Voilà, moi, je pense que... Vous n'hésitez pas à nous aider, à nous montrer des endroits. Conseiller. C'est formidable, parce que conseiller, et puis corriger nos petits défauts, parce que chaque pêcheur a son défaut.
On se corrige, on ne prend pas la tête, on accepte la correction, on accepte le truc, le partage. Partage formidable. Voilà, c'est ce que je dirais, partage. À le bon, on recommence l'année prochaine. Ah oui, forcément. 200%. Forcément. Ça va, je vous remercie. Allez, ciao. Ah, la loutre, elle vient de me faire ma truite, quoi. Putain de merde. Sympa pourri, quoi. Si on la voit bien. Elle est en train de me bouffer ma truite là-bas, cette connasse. Oh putain. Sébastien nous a rejoint en ce dimanche matin pour faire notre connaissance. Belle. Viens par ici. En tout cas, ça reste au fond. Hein. Amène la poulet. Voilà. Oui, elle a toutes ses nageoires, magnifique truite. Ça c'est de la tritasse. Il est temps de plier bagages, mais avant tout, nous demandons à Thierry ce qu'il pense de la pêche au toc, encore une fois. C'est le toc, le toc. Le top, c'est le toc. Je ne sais plus comment on dit. Un dernier barbecue, une photo de famille, un petit coucou à Candy. On se dit à l'année prochaine, les amis. Surtout, ne changez rien, restez comme vous êtes.